Bon ben voilà, si je vous présente mon atelier, ici je viens de terminer, j'ai tout rangé, ici on voit toutes les huiles, tous les produits, les eaux, surtout pour les versions liquides, toutes les pièces, cash, tout ce qui est transmission, gros carabin, toutes les poignées, tout ce qui est pièces. Tout ce qui est version liquide, je sais pas si on voit bien. Oh, ouais. Voilà. Avec les radiateurs. Ici c'est le bac à outils. Bon, ils sont pas tous remplis, mais ils sont pas mal, quand même garnis. Tout mon banc. Parce que je prépare mes moteurs. Et ici, ben, je viens de terminer de la semaine. Bon, c'est un peu à l'ombre. Toutes mes pièces. Ici toute la pièce, je sais pas si on verra bien parce que je suis dans le noir, j'ai pas encore d'éclairage, c'est toute la pièce pour préparer le moteur, les cylindres, les carburants, les pièces et tout ça. Tout mon outillage, bon, on voit, mais c'est vague, parce que ici j'ai pas beaucoup de lumière. Je sais pas si on verra mieux, voilà. Mes pots, Stachys Pro. Doppler et mon bidalo S3R. Et ici, je viens de faire un petit établi pour préparer le moteur avec mon petit banc et tout ça pour préparer les cylindres et tout ça. Bon, c'est pas terminé, mais j'ai encore du boulot. Ici, je dois tout repeindre encore comme il faut. Ici, on verra peut-être mieux. Regardez, faire les voûtes terminées, quoi. Faire le sol, mettre des dalles 30-30. Et ici mon petit moteur de course en version liquide que je n'y touche pas parce qu'il est bon, nickel. J'ai mis de l'huile dedans pour pas qu'il bloque, comme il fait fort humide dans la cave. Et voilà le moteur de mon Ludix Red Zone. J'ai changé le cylindre, j'ai remis un nouveau vilebrequin, mais j'ai des petits soucis avec, il faut que je redémonte tout pour tout vérifier. Et si de toute façon vous verrez dans la prochaine vidéo, je ferai une petite vidéo sur un petit tuto sur les cylindres, cylindres d'origine, cylindres un peu préparés d'origine et le kit quoi. Donc un petit kit top performance que j'ai la boîte quelque part ici, enfin je vous montrerai. Je sais pas ce que je l'ai fourré. Enfin soit c'est pas grave. Ici je verrai, je vous ferai des petites vidéos. Le moteur démonté, ici je vais commencer à le démonter pour voir qu'est-ce qui se passe. Tout remettre à neuf, nouveau joint, nouvelle pipe d'admission, nouvelle boîte à clapet. Enfin, je ferai une petite vidéo tout de suite après quand j'aurai tout dispositionné pour placer. Allez, à la prochaine vidéo.